Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. En ce lundi, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Et pour les enfants, c'est la dernière semaine avant les vacances de Noël. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 14 décembre, dont, dis donc, la liste elle est grande les amis. Soit vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire sur lotof.fr, soit vous êtes beaucoup à être nés en décembre les amis. Magali Billon, joyeux anniversaire. Stéphane Herbert, Olivier Bossu, Clem 200-238 ou 20-02-38, Daniel Sinclair, The Party ou The Party et Christopher Renault, pardon. Joyeux anniversaire à vous 7 les amis, vous êtes 7 à vous être inscrits sur lotof.fr. Profitez bien de votre journée, je vous souhaite que du bonheur, comme ceux qui sont nés un 14 décembre, comme d'habitude les amis. On change pas notre discours. Aujourd'hui, on a les amis, je vous le dis pas tout de suite, mais vous avez dû le voir dans le titre. En fait, vous l'avez vu dans le titre, les amis. Aujourd'hui, donc, deux pactoles, deux Noël au sommet, deux maximum croisés, deux millionnaires. Pourquoi j'ai doublé tous les tickets, à votre avis, les amis? Ben, vous le savez, c'est écrit dans le titre. Parce que c'est un défi avec Bernadette. Elle est chouette, Bernadette. Oh, ça va, Bernadette? T'es en pleine forme aujourd'hui? Ouais, j'ai jamais eu un aussi beau coucou. C'est parce que tu vas te barrer au travail et que tu vas pas me voir pendant toute la journée? C'est ça qui te rend ravie, heureuse. Bon, bah, si ça peut te rendre heureuse, écoute, hein, tant mieux. Alors, les amis, c'est deux millionnaires, donc c'est Bernadette qui va choisir. Mais franchement, dans les millionnaires, Bernadette, normalement, c'est deux gagnants. C'est le 7 et le 18, deux numéros que j'apprécie bien. Ça doit être gagnant. Bon, normalement, les deux sont gagnants. Donc, à toi de voir lequel il y a le million. Parce qu'il n'y en a qu'un où il y a le million, Bernadette, je te le dis. Deux maximaux croisés, on a le 39 et le 40, donc Bernadette va choisir aussi, hein, honneur aux dames, les amis, honneur à Bernadette, on est galant. Le 14 et le 15, car aujourd'hui on est le 14, demain nous serons le 15, et oui, ça c'est philosophique, vous le saviez pas les amis. À la limite, vous saviez qu'aujourd'hui on était le 14, mais vous saviez pas que demain nous serons le 15. Et un pactole 3 et 0-0-0, donc un 0 et un 3, à voir. Donc Bernadette va choisir, tu vas venir choisir tranquillement tes tickets. Ouais. Dernier défi, tu m'as battu de 2 euros. Aujourd'hui, je te bats de 50 euros direct. Je te mets un 50. Allez, 50-25 peut-être. Ou 50. Tu vois, un bon match. On veut voir un bon match. Si les deux, on sera en bénéfice, ça serait magnifique. Parce que du coup, on a combien? On a quand même 22 euros de mise chacun, Bernadette. Plus la belle papillote de la chouette Bernadette. Bah, dis donc, j'ai pas parlé aussi souvent de toi. Un lundi, j'ai jamais parlé autant de toi, dis donc. Un truc de ouf. Heureusement que tu te barres au boulot juste après. C'est parti, tu choisis entre le pactole 000 et le 3. Tu veux lequel? Ça y est, elle fait s'installer. En plus, elle vient même pas s'installer. Non, tu faisais ton maté? Oui. Madame boit du maté. Moi, je bois du kawa, du café, du récoré. Elle boit du maté. Oui, tu bois aussi du café, oui. On a compris. Celui-là. Numéro 3. Noël au sommet, il y a le 14 et le 15. On est aujourd'hui le 14, demain c'est le 15. Oui, le 15. Oh, c'est l'anniversaire de mon frère, je le voulais. C'est demain son anniversaire. À mon frère des 70, les amis. Je le voulais. Bon, tant pis. Le 39 et le 40, tu me prends tout que les tickets gagnants. Bon, celui-là, franchement, j'ai pas de préférence. 39. Voilà, dédicace au Jura. Je crois que le 38 était gagnant. On l'a gratté en live la dernière fois. Donc, peut-être qu'il y a plus de chances que le 40 soit gagnant, mais j'y crois pas. J'ai pas envie d'y croire. Par contre, là, les deux sont gagnants. Juste à toi de voir lequel il y a le million. 18. Dans le 18, il y a le million. 18 de Keren. Moi, j'ai le 7, les amis. C'est parti, tu commences? Vas-y. Ou je commence? Non, on gratte en même temps, tu vois, on direct comme ça, on fait les oufs, tu vois. Tu vois le délire? C'est parti, elle me regarde de travers, Bernadette, vas-y, commence. C'est parti, tu fais le pactole, je fais le pactole. Tu fais le Noël, je fais le Noël. Tu vois le délire? T'as commandé quoi, Papa Noël? Rien du tout. Ah, ok. Je dis pas. Je sais que dans ta tête, il y a un truc qui est venu. Je me suis dit, pourquoi j'ai posé cette question? On en reparlera plus tard, les amis. On n'est pas encore à Noël, les amis. On n'est encore pas à Noël. J'espère que t'as été sage, Bernadette. Très sage. Ça, c'est à voir. Si tu me laisses gagner, éventuellement, tu seras peut-être sage. Bernadette. Eh, chouette. Les amis, vous m'avez demandé Bernadette parce que du coup, elle porte chance. Ben, je voulais ramener. Je voulais ramener Bernadette. La voici, la voilà. J'ai dû la supplier. Non, je plaisante. Pour qu'elle fasse le... Ben, tu vois, je porte pas bonheur. Hein. Perdant. Ben, je vais peut-être avoir un gain. Peut-être. T'as un beau pull en laine. C'est qui te l'a fait? Non, je te dis. Ok. Avec ma CB ou ta CB? Avec notre CB. Oh, comme c'est trop joli. Mais Bernadette, c'est la voix de la sagesse, les amis. C'est un truc de ouf. 32, 36, 24. Voilà, on aurait... Ah. Toi, 34, toi, voilà, je suis un poissard. 31. Voilà. Comme d'hab. 23. 42. 30.
Le 9, le 33, le 39. Et pour terminer, une Spielberg ou pas le 24. On est à 0-0. Bredouille, bredouille pour le moment, Bernadette. Tu as pitié de moi. Petit Noël au sommet. Allez. Tu te rappelles des règles du jeu? Oui, bah, je me rappelle. Tu l'aimes bien, Siké? Tu le trouves beau, en fait? Ouais. Pas trop, c'est pas ton style. Là, il j'ai recruté Bernadette en design. Elle est très forte. Bon, ça manque de paillettes, quoi. Ouais, mais ils ont pas le droit, je crois. Pour pas attirer le jeune public. Alors que dans les autres pays, franchement, en Belgique, en Suisse, ils t'en mettent des paillettes. Pas autant que j'en mets dans ta vie, tu vois, les lire, tu vois. Mais ils en mettent des paillettes. On va pas relever. Comment? On va pas relever. Bah merci, elle me met. Non, je rigole. Devant des milliers de personnes qui me regardent. Qui nous regardent. J'ai pas fait de sondage parce que je savais d'avance que tout le monde allait voter pour toi. Donc du coup, j'ai même pas fait de sondage. Oh, 41, c'est un peu bon, bah voilà. Et puis elle a spoilé le gars. Bah oui, mais en même temps, c'est compliqué. Tu me spoiles les gars, moi je vais te spoiler Walking Dead prochain coup que ça sort. Bon, tu sais, je le regarde avant toi. Mister 34, dédicace à toi, mon ami. On va spoiler Bernadette. Je compte sur toi. Tu risques pas de me spoiler. Tu vas voir, je vais demander à Mister 34 des infos que même toi, t'auras pas. Je vais dire, va chercher, va. Il est très fort dans le recherchage d'infos. C'est parti. Pourquoi tu l'as mis comme ça? Parce que t'as gagné 5 boules. Parce que j'aime bien qu'il soit centré. Ah, pardon. Bah, non, mais tu l'as mis comme ça. Fais comme chez toi, fais comme chez toi. Donc là, c'est quoi? Gratter les cadeaux? Il faut 3 numéros. Donc là, on peut jouer 15 euros potentiellement ou 10. Ben, 10 ou 5, quoi. Ça fera 10 ou 15 en clair, si on additionne. Et on a 5 euros supplémentaires. 10 boules dans la besace, Bernadette. Elle a pris le quince de la manana de mon frère. Yes. Elle m'a braqué le quince pour prendre 10 boules. Et ben j'espère que le 14 pour Magali, pour Stéphane, pour Olivier, pour Clem, pour Daniel, pour Ziparty et pour Christopher, le 14 va être gagnant. C'est pour vous, les amis, qui êtes nés un 14 décembre. 10-0 pour Bernadette. Elle affiche direct la couleur. 10-0. Tu fais pas semblant, toi. Et merci à toi d'accepter le défi avant de partir au travail. Je rappelle que tu pars très bientôt, incessamment sous peu. Ouais. Et les amis, franchement, un grand maximum de pouces bleus. Même si vous voulez me mettre des pouces en bas, les amis, mettez au moins des pouces bleus pour Bernadette, les amis. Parce que franchement, un maximum de pouces bleus. On vise les 1000 pouces bleus sur ce défi. Faites un petit effort, les amis. Les 1000 pouces bleus sur ce défi. C'est possible. Keren et Malo, ils le disent à chaque fois. La première fois qu'ils l'ont dit, on les a fait, les 1000 pouces bleus. Merci à nos abonnés. Les 1000 pouces bleus, les amis, s'il vous plaît, pour montrer votre soutien à Bernadette, pour qu'elle apparaisse encore plus souvent dans les vidéos. T'es deg. Tu vois qu'ils vont le faire. S'il y a les 1000 pouces bleus, les amis, sur cette vidéo, c'est un peu du chantage, mais bon, hein, tout le monde fait comme ça. Puis ça va marcher, le pire. Eh ben Bernadette, non t'inquiète, pour l'instant on fait pas de défi et tout, on n'a encore pas montré nos têtes. Mais le jour où je monte ma tête, je peux te dire que tu vas t'attendre au pire, Bernadette. Tu le sais, toi-même tu sais. Tous les jours, c'est eux qui vont s'attendre. Non, oui, en voyant ma tête, oui, ça, ils vont pas s'en remettre. Mais c'est pas ça le truc, c'est genre dans les défis, tu vois le délire. Mais là, si le truc, si jamais il y a les 1000 pouces bleus sur cette vidéo, que ce soit même demain, ils arrivent, hein, le temps que vous regardez la vidéo. Les amis, vous avez pas que ça à faire à regarder mes vidéos non plus, vous avez une vie à côté. Mais le temps qu'ils viennent, les 1000 pouces bleus. Dès qu'ils sont là, s'ils sont là avant jeudi ou vendredi, eh ben, oh, 150, imagine. Bah, j'imagine. Eh ben, on se refait un défi dans la semaine avec Bernadette, fin de semaine. Vendredi ou samedi, un truc comme ça, pour ce week-end. On se refait un beau petit défi. Les 1000 pouces bleus, les amis. Merci à vous. Oh, 10, 10, 150, 150. 50 000, on n'a rien. 50 000, 10-0 pour Bernadette. Pourquoi j'ai joué le malin, les gars? Pourquoi j'ai joué le malin avec Bernadette? Pour le pire. Ah, ouais, c'est mon petit cadeau, ça. C'est mon petit cadeau. Ça, je sais que ça te fait plaisir, ce ticket. Je sais que ça me fait plaisir, ce ticket. Tiens, un petit stylo, Bernadette, je te livre tout à domicile. Merci. T'as vu? Ça te rappelle la fois où je t'ai livré ton petit déj au lit? Tu te rappelles? Non. Ah mince. Pardon. J'ai cru que t'allais jouer le jeu, dire oui, Toff, c'est un lover, il m'a apporté le petit déj un jour. Non, c'est jamais arrivé. Oh, t'as toutes les voyelles. Ah ouais? Tu crois que tu as gagné avec toutes les voyelles, mais en fait. Le plus gros ticket à 600 000 dans les méga mots croisés n'avait pas de E. On n'avait pas de P. Oh, t'as émané déjà. Tu peux le... Il est où? Tu peux le... Comment? Barrer? Non, vu que tu l'as. Le gratter, en fait, avec une tête. Oui, là, faut que tu m'aides, parce que... Émané. Oui, je vais t'aider, Bernadette. Je vais t'aider. Bernadouille. On n'a déjà pas de R. Elle est chouille. Bernadouille, elle est chouille. Ah, ça gratte pas bien. Pièce. Tu veux l'autre pièce? C'est celle que tu m'as offert Noël dernier. Tu m'as préparé une boîte surprise cette année?
Oui. J'ai encore pas tout, alors. Et tu sais que la boîte de l'année dernière, le contenu, là, la belle boîte que tu m'avais fait, tu m'as donné ton accord, les amis, elle m'a donné son accord, Bernadette. On va vous l'offrir au prochain bingo. Et garni dedans, il y aura quelques tickets, quelques petites choses sympas. Et donc, merci Bernadette d'offrir ça aux abonnés, ça fait plaisir. Mais de rien. Elle est unique, la boîte. Bah là, pour le coup, elle est unique. Mmh. Elle existe nulle part. C'est Bernadette qui me l'avait créée. Et dedans, donc, il y aura des tickets, il y aura des petits trucs sympatoches. Donc, on n'a pas de R, hein. Tu peux barrer tous les R. Est-ce qu'on a Sage? Non, on n'a pas Sage, on n'a pas de S. A Tennis? Non, on n'a pas de S. Est-ce qu'on a Épée? Ben non, on n'a pas de P. Est-ce qu'on a un F pour fait? Ben, on aurait un F, on serait bien. Hein. Enfin, tu serais bien. Hein. Même si le pot commun, le but, c'est de gagner le défi entre nous deux. Non, on n'a pas de F. Roi, tu peux enlever tous les R, tu peux enlever Roi, Rugby, tu peux enlever... Non, mais on peut tout enlever, quoi. Ouais, Cri aussi, ouais. Tu peux même m'enlever, moi, en fait. Enlève-moi, vas-y, barre-moi. On a qu'un mot. Tu me barres et on n'en parle plus, Bernadette. Parce qu'il y a un R dans mon prénom, dans mon vrai prénom. Dans Tof, il y a un F, on ne l'a pas. Donc, on n'a pas de S. Mais joué. On n'a pas de R. Voilà, c'est ça. Purée, mais je sais pas. Chic, est-ce qu'on a un H? Mais ouais, si on a un H. Pour Chic, si on a un H, on est bon. Non. Non. Pourtant, la môme du 8e, le H, elle aime. Hein. Tu le savais, ça? Quoi? La môme du 8e, le H, elle aime. Elle aime. Non, on a voulu. Dédicace à Renaud. Dédicace à ta maman. Elle regarde le défi. Dis un petit mot à ta maman quand même. Elle regarde plus mes vidéos que toi. Ah bah ça, c'est sûr. Hein, Lydie, moi, dédicace à... Bah si, je regarde. La maman de Bernadette. Tu veux pas lui dire un petit coucou, maman? Bah coucou. Coucou qui? Bah maman. Ah bah voilà. J'ai cru que c'était qui? Bah ta maman. Alors, sous. On n'a pas le S. Dis coucou, Lydie. Bah ça, c'est toi qui dis. Votre fille vous aime très fort. On n'a pas Lydie. Faut pas avoir honte de révéler ses sentiments à sa maman. Non, je... Je m'amuse, le mec. Ouais, je sais que tu vas te venger. Non, t'es pas. Je sais que tu vas te venger vers ma mère. Paru. Je te connais. Bon, bah, du coup, j'arrive pas à me concentrer. À cause on n'a pas de R. On n'a pas de R. Bah, comme ça, hop. Zen. On a le Zen. Oh, t'as gagné, t'as un ticket gagnant. Non, mais franchement, les gars, c'est quoi ce bazar? Elle vend plus mille. On n'a pas. Vent. Ah, on l'a, vent. Il y a le dé. Ah ouais, t'as vent, du verbe vendre, pas un vent. Toi, t'as cru que c'était un vent, le vent? Ben non. Bon, Bernadette, elle va plus vouloir participer, j'arrête, promis. Je te fais plus des coups comme ça. On a. Bah ouais, tiens. Promis, Bernadette. Donc on a 10? T'as 10. 20-0 pour toi. 20-0. Ben non, on a 20, non, 4 mots. Non, mais au-dessus, quand même pas dans la gratitude. Ah, j'aime bien tes petites réflexions comme ça, ça fait rire tout le monde. On aime bien. Donc j'ai 20. T'as 20. Normalement, t'as 20. Il n'y avait pas d'autres mots. Hein. Attends, de toute façon, t'avais bien gagné, je te fais confiance. 20-0 pour toi. Donc attends, si comme tu mènes, ah ben, il faut que je gratte d'abord mon maximum croisé. Il faut que je gratte le mien. Allez. Bon, ben les amis, il y avait deux qui suivaient qui étaient gagnants. Hein. Vous vous rappelez, les amis, le 38 fait partie de la même série qu'il y avait dans le live de ce qu'on a fait samedi soir. N'hésitez pas à aller revoir le replay. Les amis, on a fait du méga, du maxi, du mot croisé pour 76 euros de mise. Un truc comme ça grâce à Philippe, les amis. Grosse dédicace à Philippe. Et le 38 était gagnant, les amis. Le 38 était gagnant. Et là, ben, on a le 39 qui est gagnant, celui qui suit. Est-ce que le 40 va être gagnant? Je comprendrai mieux pourquoi. Le reste, c'était passé un peu plus mal, les amis. C'est parti. Ta mère, elle va rigoler quand elle va entendre, quand elle va voir la vidéo. Tiens, bah, elle va faire une vidéo aussi. Elle va rigoler. Elle va faire une vidéo avec moi? Bah ouais. Tu veux qu'elle me fasse fasse un défi? Si tu veux. Si tu veux. On en reparlera de tout ça. Avec plaisir. J'ai déjà fait gratter ma mère. Tu te rappelles? C'était un défi face à ma mère ou non? Elle avait juste gratté, je crois. Oh ouais, qu'elle est... On va ramener toute la famille. Dédé 70, bah son tour va arriver là. Ça va être son anniversaire. On va faire comme l'année dernière. Il a déjà gratté, déjà, mon frère, les amis. Ozone. Alors c'est parti, ceci, parce que là tu me déconcentres, on n'a pas de E. Dentelle, onde, gloire. Ah, ça fait longtemps, Bernadette, que j'ai pas mis de dentelle. Ris, on a du riz. Ah ouais, elle est chiante à gratter, t'as raison celle-là. Dis. Non, on n'a pas de S. Merci, heureusement que t'es là. Favoriser, cargo, c'est un S là, ouais, c'est un S.
apéritif. Dédicace à Valentin et Mammouth pour l'apéritif. Ils kiffent ça, Bernadette. Valentin et Mammouth. Frein, ouais, on n'a rien. Net. Pourtant, je suis net. Sage. Ah si, je suis très net. Alors, c'est parti, les amis, on n'a rien là. Grille numéro 2. 20 à 0 pour Bernadette. Elle choisit les bons tickets. Pourquoi je suis galant aussi à te laisser choisir? J'aurais au moins le 10 du Noël au sommet. Je garantis pas que j'aurais pris le 39 du Maximo Croisé. Là, je l'aurais jamais pris. Mais j'aurais pris le 15 du Noël au sommet. Pourquoi je suis galant, les amis? J'ai pas le choix. Parce qu'on est en vidéo. Vous voyez mes faits et gestes? Après, vous allez me critiquer. Alors, convoi. Non, on n'a pas. Hein. Si, on a convoi. Ben, c'est le seul mot qu'on va avoir. On a convoi. Ouais. On a un S ou pas? Non. C'est le S qu'on n'a pas, hein, c'est ça, d'accord. Alors, ça va aller vite. Hop, hop. S. De quoi, joyau? On l'a, joyau? Non, on n'a pas le A. Ouais, on n'a pas le A. Ah, bah oui, il n'y a pas le A, ni le E, ni le S. Ça va aller vite, en fait. Voilà. Pub. Le B, s'il vous plaît, le B. Non. Truc de fou. Ton. T-H-O-N. T'aimes bien la salade de thon? Karen, il kiffe ça aussi. Étage, on n'a pas. Jeté, on n'a pas. Mercerie. Ah bon, on n'a rien paumé. Ouais, je suis paumé, les amis. J'ai paumé le défi. Tiens, on finit par paumer. J'ai paumé, les amis. Il va falloir que mon millionnaire se vaille bien. Il y ait bien le million pour l'emporter. Mais M-E-T aussi, on n'a pas, les amis. Pas de... Donc, c'est mort. 20 à 0 pour Bernadette. Donc, ben, c'est à toi de gratter le millionnaire. Allez. Ce que tu mènes. Tu mènes, donc du coup, c'est à toi de le gratter. Les deux sont gagnants. Hein. Je suis persuadé que les deux sont gagnants. À toi de me le prouver. Ah, oh, je gratte avec celle-là. Fais-toi plaisir, Bernadette. Fais-toi plaisir. Elle refoule ma pièce. Tranquille. Fais comme chez toi. Bon, ça sera peut-être au jeu 2, 3 ou 4. Je sais plus sur lequel, mais normalement, c'est gagnant. Deux sommes identiques. Le million, le million, le million. Déjà, on a peu de chance de l'avoir. Bah imagine, ouais, ça tombe sur nous et c'est en vidéo, c'est magnifique. De toute façon, si ça tombe sur nous, ça peut être qu'en vidéo. Il y a quoi, un million? Ah, au-dessus, c'est pas un million, c'est 100 000. Non, c'est 100 000. Ah, hein. J'étais heureux. Bon, quand même. Et 1000, enfin, je doutais, quoi. Tu m'as mis le doute. Tu m'as mis le doute, Bernadette. Alors là, c'est d'abord les saphirs. Tu te rappelles quand je t'ai offert un saphir? Non. Ah mince. Décidément, je t'ai pas offert grand-chose. 17 à battre. Que ce soit plus. On fait 14, ouais. 11 à battre. On fait 8 et 24 à battre. Tu fais, Bernadette. Bah 23. 23, dommage. La besace, la besace, la besace. Allez. Allez, la Spielberg est la dernière chance de que ce ticket soit gagnant. J'étais persuadé qu'ils étaient les deux gagnants. Tu vas voir, ils vont être les deux perdants, Bernadette. Dommage. 20 à 0, en tout cas. Sur 30... Ah non, c'était 20 et quelques chacun. Oh, t'as fait une belle perf, en fait. Parce que du coup, on grattait chacun 22 euros chacun. T'as récupéré 20 sur 22. T'as fait le taf. Ah, peut-être que tu m'as laissé le 7 gagnant, Bernadette. Ah, dommage que les deux millionnaires ne sont pas gagnants. Franchement, ça, c'est une... ça reste une utopie pour l'instant. J'espère que ça va se réaliser un jour. C'est parti. Allez, je peux même espérer égaliser. Si c'est pas 10, j'égalise minimum. Si jamais ça gagne, c'est pas encore fait. Dollars, pas prêt d'avoir les dollars. 100 000 bag. Donc là, on n'a rien. On va aller chercher la besace. La besace, la besace, la besace. Tu penses que tu vas gagner? Aïe, 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 les gars, 7. Ticket 7. Cent mille, 50, 20, 100.
Et 10 000, les amis. Deux seules chances de gagner sur ce ticket 7, c'est le jeu numéro 3, les amis. Est-ce que j'aurais gardé le jeu gagnant pour la fin? Très bonne question, mais c'est déjà arrivé souvent, ça. J'espère. Et avant de gratter ça, Bernadette, tu sais que... Les amis, merci, je suis très touché, car vous êtes beaucoup à m'écouter au final sur les lives. Parce que tu sais, au live que j'ai fait de mots croisés, ouais, j'ai parlé d'une cote à 6, c'est-à-dire que le belge disait, mais la victoire, je les vois largement... Enfin, pas largement gagnée, mais je les vois bien gagnées. Je comprenais pas pourquoi la cote était à 6. J'ai dit, je vais les mettre dans un combiné. En nul ou ils gagnent, la cote était quand même à 2,50. 2,50 pour une équipe belge. Wasland Beveren, les amis. Et donc, moi, je l'ai mis dans un combiné. Bon, ça m'a foiré. J'avais mis Leverkusen. J'avais mis eux. Ben, c'est quoi qu'il en soit, Paris a perdu. Donc, c'était mort, les amis. J'avais mis Neymar qui marque. Mais du coup, voilà, Paris a même perdu et ils ont marqué 0 but. Donc, et Neymar s'est blessé. Donc, lui-même, c'est pas ça à cause de qui. Mais ne lui balancez pas. Ceux qui connaissent Neymar, ne lui dites pas que c'est peut-être un peu de ma faute. Mais je pense qu'il n'y a pas que moi qui ai misé sur lui, les amis. Et donc, c'était perdant dans les combis. Mais il y en a beaucoup d'entre vous qui ont misé sec sur la cote à 6 directement. 10 euros. Je pense à Monsieur Alchino. C'est ça, Alchino, hein, je crois. Monsieur Alchino, Mister Alchino. Bravo à toi. Et 5-6 abonnés qui m'ont envoyé. Merci, Tof, t'as surgraf pour la cote à 6. Et du coup, je me rappelais pas. Et je me disais, franchement, les gens, à mon avis, ils ont dit... Ils vont pas m'écouter, quoi. Mais franchement, je suis content que ça ait passé pour vous, les amis. Vous l'avez joué sec. Rencontre Bernadette, t'aurais posé 10 boules, t'avais 60. On aurait posé 100 boules sur rien que sur ce match, on avait 600. Mais je l'avais couvert, j'avoue que je l'avais couvert nul ou victoire au cas où, parce qu'elle était quand même à 2,50 la cote. Donc même là, vous misez 10, vous avez 25 pour 2 chances sur 3. Et franchement, ben, bravo à vous les amis. Et merci de m'avoir fait confiance, parce que vous me dites merci à moi, mais merci à vous de m'avoir fait confiance les amis. Wasland Beveren qui allait gagner hier soir au FC. C'est quoi? C'est le FC Malines? C'est Malines. Mais est-ce que c'est FC Malines? Je ne sais pas. Dédicace à mes amis belges, à nos amis belges. Allez, dernière chance de gagner, Bernadette, c'est de faire plus que 10. Et on fait 9, les amis. Ticket perdant. Je suis trop dégoûté. 20-0. La dernière fois, j'ai perdu de 2 euros. Et là, je perds 20-0. Quelle raclée. J'ose même pas lire vos commentaires, les amis. J'ose même pas lire vos commentaires. Mais il y a la papillote, hein. Il y a la papillote, les amis. J'ose pas lire vos commentaires. Bravo, Bernadette. On fait la poignée de main de d'habitude. Fair play. Fair play. Bravo, Bernadette. Bravo à toi, Bernadette. Bien joué. Franchement, magnifique. Tu m'as pulvérisé aujourd'hui. Je jouais le malin. Ben, tu m'as bien fait retomber voilà, sur mes pattes, comme on dit. Tu prends que l'eau. Ouais, non, mais c'est moi, je suis tout le temps. Ah ouais, d'accord. Elle prépare son manteau, elle prend tout. Elle doit partir dans... Ah non, tu prends à 11h30. Ouais, tu prends à 11h30. Ouais, c'est ça, donc tu pars vers 11h et quelques. Ok. Bon, elle est chouette, Bernadette. En tout cas, 20 boules, 20-0. J'ai rien à dire, les amis, à part applaudir Bernadette et lui dire bravo. Je m'incline. Et Lydie, bravo à votre fille qui m'a pulvérisé. Votre fille, c'est la meilleure. Oh, tu nous as bien gâté, dis donc, Bernadette. Oh, bah, dis donc, Bernadette, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as de l'oseille en ce moment. J'ai pété un boulon. T'as trouvé. J'ai pété un boulon, oui, c'est ça. T'as trouvé. Elle est trop forte. J'ai pété un boulon. Elle est trop forte. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais je pense que vous l'avez entendu. J'ai pété un boulon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 euros de grattage. Merci. On a que des tickets à 3. On a le droit à un vacances, un kit au double et un Vegas. T'as trouvé un louis d'or quelque part enfoui, caché, pour être aussi blindé que ça. C'est parti, les amis. On commence par le vacances. Ça nous fera des vacances. Il y a que quand on m'en offre que je les gratte, ceux-là. Dédicace à Raphaël74 qui kiffe ses tickets. J'ai pas oublié ta session, hein, que je t'avais promis. Tu m'avais fait de cadeau de 10 vacances ou 11 vacances, je sais plus, un truc comme ça. Merci à toi, Raphaël, et je te referai une session spéciale vacances, hein, promis. Celui-là, je te le dédicace et je te ferai une session spéciale vacances, c'est promis. Ah, on a 3 soleils, ça gagne, Bernadette. Décidément, tu iras plus souvent m'acheter des tickets. Voilà, soleil. Donc, tu vois, la case-là sert vraiment à rien. Là, c'est du gaspillage, tu vois. Parce que quand on a 3 là, t'es sûr d'avoir celui-là. Toi, encore, si jamais, des fois, ça sera appareil photo, ça serait parasol. T'en aurais 3 presque à chaque fois, mais ça changerait, tu vois. Elle servira à quelque chose. Mais on en revient sur ce débat. Elle sert à rien, cette case. Alors, palme, ballon, sorbet, lunettes, crème, on n'a rien, les gars. Et là, crème. Ça passe crème, c'est le cas de le dire, on n'a rien. Alors, on a soleil. Tu es mon soleil, Bernadette, j'en profite pour te le dire. Même si je te le dis qu'en vidéo. Oh, 6 boules dans la besace, Bernadette. Tes papillotes, elles rapportent. Ça rime. Ah non, ça rime pas. Elles rapotent, tes papillotes. Allez, Vegas ou quitte ou double? Allez, quitte ou double. C'est parti. Comme ça, on est quitte ou on est double.
Avec ta victoire, on n'est pas quitte, Bernadette. Hein. J'ai un goût amer. J'en ai un goût amer. Tu m'as encore bouffé devant mes abonnés. Ça se fait pas. 41, 15, 34, 18. Tu m'aurais laissé mon numéro 15 Noël, on faisait match nul. Non, madame, elle veut tout le gâteau. Toute la part du gâteau, elle veut tout prendre. Donc 41, 15, 34, 18. On n'a rien, les amis. Rien du tout ici. 48, 12 et 24. On n'a rien, les amis. Rien ici. Ticket 36 perdant. On a récupéré 6 sur le vacances. Et il reste le Vegas number 33. Dédicace à la Gironde. On y va. 11. Aïe, aïe, aïe. Quand c'est le premier numéro que je vois d'un ticket, le 11. À moins qu'il y ait le 11 ici, ça serait magnifique. Ce serait une belle histoire, Bernadette. Tu me réconcilierais avec le 11. Mais mon plus... Franchement, en ce moment, mon plus poissard, c'est celui-là, le 21. Ça gagne plus sur les tickets 21, les 21. 11, 20 et 28, on n'a rien. La banque. La banque est toujours plus forte. Tu le sauras, Bernadette, dans la vraie vie. La banque, elle nous plume. Valet 8 et 7, on n'a rien, les amis. 12. D'accord. Bon, ici, aucune possibilité de gagner. Si j'aurais fait cela et là, on aurait pu espérer la pomme. Mais du coup, j'ai gratté les deux là. Donc, c'est mort. Et le bonus, dernière case de la session. Après ce beau défi avec Bernadette, 0. Donc, on aurait quand même récupéré 6 euros sur 9 dans la papillote. Et 20 euros sur 44 au total dans le défi. Et l'info principale, Bernadette. Donc, jouez avec modération aussi, ça c'est sûr. Parce que du coup, vous avez vu, on a encore perdu. Hein. On a encore perdu globalement sur l'ensemble des tickets qu'on a gratté. Jouez avec modération, les amis, surtout. C'est ça l'essentiel. Et l'info principale aussi, c'est que Bernadette, elle m'a mis une belle raclée. Il faut l'accepter, les amis. C'est comme ça qu'on va revenir, qu'on va avancer de l'avant, Bernadette. J'accepte ma défaite contre toi, 20 à 0. La dernière fois, j'ai perdu seulement 2 euros. Je me suis dit, cette fois, c'est la bonne. Et là, boum, 20-0, 20-0, les amis. Belle raclée, mais je t'aurai un jour. Je t'aurai, Bernadette. Les amis, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne nuit. Tough la weed, rend l'antenne.